Aujourd'hui, je voulais vous présenter un ajout au système de Happy Planner. C'est finalement des fiches recettes que vous pouvez acheter séparément. Moi, je me les suis procurées sur Amazon. J'ai acheté ces fiches recettes-là avec les séparateurs. Et à l'intérieur, je peux mettre les différentes recettes que je veux, que je peux retirer à ma guise et remettre dans cette même forme de planificateur. Et aujourd'hui, j'ai une recette à ajouter dans ma liste de desserts. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà quelques-unes d'inscrites. Je peux décorer ensuite la recette avec les images pour illustrer à quoi a l'air ce dessert, par exemple. Et à la fin, je ferai la décoration avec vous. Je vais tout simplement inscrire la recette en accéléré sur le vidéo et sans placoter en même temps, parce que je ne veux pas vous faire passer 15 minutes à me regarder écrire, tout simplement. Donc, je vais m'installer et je vais faire la vidéo que je vais vous passer en accéléré sur cette partie. À tantôt! Alors, je viens de compléter les ingrédients de la croustade et elle attend tout simplement que le four soit rendu à la température voulue. C'est vraiment rapide et c'est tellement bon. Le plus difficile maintenant, c'est d'attendre que ça soit chaud, qu'on le mette à l'intérieur, attendre que ça soit cuit, mais le pire, c'est attendre que ça soit assez refroidi pour pouvoir le manger. En utilisant les pelures de pommes, je les ai mis ici, dans un chaudron, avec un peu de cannelle, un peu de muscade et beaucoup d'eau. Et vous allez avoir une très bonne arôme. C'est les dernières choses que les petites pelures pourront vous donner. Une belle odeur naturelle de pommes cannelle qui va embaumer toute la maison. À plus tard! Le moment le plus difficile, celui d'attendre que ça soit aséré, refroidi pour pouvoir rajouter la crème glacée ou simplement de la crème 35. Ça va être bon. Et c'est prêt! Je vous en ai servi un petit morceau. Vous voulez un café avec ça? Oh, ça va être bon! Sur ça, je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine.